Arrivé en France de Vuk Drašković et de son épouse, le couple d'opposants serbes a été autorisé à venir se faire soigner quelques jours. Ensuite, il compte bien retourner dans son pays, la Serbie. Dorothée Olyéric, Pierre-Laurent Constant. Il y a 10 jours, cet homme, de la fenêtre de l'hôpital, esquissait un geste pour remercier ceux qui étaient venus saluer sa libération. Sa vie, alors, ne tenait qu'à un fil. Aujourd'hui, Vuk Drašković a eu ce même geste. C'était ce matin à Belgrade, un homme et une femme blessés mais qui ont retrouvé l'espoir et la liberté. 40 jours de détention, des tortures, des humiliations, l'écrivain et leader du principal parti d'opposition serbe souffre de migraines incessantes et d'amnésie. Sa femme a de gros problèmes de colonne vertébrale. Le couple Drašković doit rester quelques jours à Paris pour effectuer tous les examens médicaux. Leur venue, ils la doivent à Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France Liberté. Vuk Drašković a parlé d'un monument fait à la France après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait écrit, dit-il, « Aimons la France comme elle nous a aimés ». Aujourd'hui, Duk et Danica, s'ils le pouvaient, dit-il, signeraient en bas de ce monument. Drašković a aussi parlé de l'opposition qui, dit-il, va s'unir en Serbie tout simplement parce que c'est une question de vie ou de mort. Lorsque j'ai reçu une fin de non-recevoir étant sur place, vraiment j'étais très déçue. Aujourd'hui, bon, c'est une idée là et libre. Est-ce que vous êtes fière de tous ces hommages qui sont rendus, la France synonyme de liberté? Vous ne l'êtes pas, vous? Moi, oui.